Bonjour, dans cette vidéo je voudrais qu'on fasse la division de ces deux nombres complexes. Ici on a un premier nombre complexe qui représente le point qui est placé ici dans le repère, le point bleu, et on va le diviser par un autre nombre complexe qui est ce nombre complexe là qui représente le point vert placé ici sur le graphique. Donc comme d'habitude je t'encourage à le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis ensuite à regarder comment je fais. Alors si tu as essayé de faire cette division-là par des méthodes algébriques classiques, tu as dû te rendre compte que ça devenait vite très très compliqué. En fait ici la clé c'est de pouvoir jongler entre les différentes formes qu'on peut donner à des nombres complexes. Alors il y a la forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Ici les nombres sont donnés sous forme trigonométrique. C'est une forme très pratique parce qu'elle permet d'identifier tout de suite le module du nombre complexe et son argument. Et d'ailleurs, on va pouvoir vérifier ici que les points sont bien placés. Si je regarde le module du nombre complexe qui est au numérateur, eh bien, son module, c'est 7. Donc, il a une distance égale à 7 de l'origine du repère. Alors, tu vois ici sur le graphique, on a tracé des, des cercles. Ça, c'est un cercle de rayon 1, rayon 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce nombre complexe représente un point situé sur ce cercle-là. Et comme son argument est égal à 7π sur 6, on doit à partir d'ici faire un, une rotation de 7π sur 6. Hein. Alors ici on a cet angle de π, ici qui est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parties. Donc un angle, je vais le noter comme ça, cet angle-là, enfin tous les angles qui sont notés ici, sont des angles de π sur 12. Alors si j'en prends deux ça fait 2 pi sur 12 ça fait pi sur 6 donc là j'ai déjà pi sur 6 2 pi sur 6 3 pi sur 6 4 pi sur 6 5 pi sur 6 6 pi sur 6 et 7 pi sur 6 donc ça c'est bien le point d'affixe ce nombre complexe là alors au dénominateur j'ai aussi un nombre complexe donné sous forme trigonométrique son module est égal à 1 hein, puisque ici c'est comme si on avait 1 fois cosinus 7 pi sur 4 plus i sinus 7 pi sur 4. Donc son module est égal à 1. Il représente donc un point situé sur ce cercle-là. Et l'angle, c'est un angle de 7 pi sur 4. Alors pi sur 4, c'est 3 pi sur 12. Donc ici, j'ai pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Donc ce point-là est bien le point d'affixe ce nombre complexe-là. Alors maintenant, on va revenir à la division. Et là, en fait, le plus simple, c'est d'écrire nos deux nombres complexes sous la forme exponentielle. En fait, ce qu'on sait, c'est que cette expression-là, ici, c'est e puissance i 7 pi sur 6. E puissance i7pi sur 6, ça c'est la formule de l'air. Et c'est ce qui permet d'exprimer le nombre complexe qui est ici sous forme exponentielle. Alors pour le dénominateur, c'est exactement la même chose. Ce nombre-là, c'est e puissance i 7pi sur 4. Voilà. Donc la division qu'on qu doit faire, eh bien elle va s'écrire de cette manière-là, de manière beaucoup plus simple, comme ça. On doit diviser le nombre complexe 7 fois e puissance i 7pi sur 6 par le nombre complexe e puissance i 7pi sur 4. Et pourquoi c'est beaucoup plus simple Eh bien c'est parce qu'ici on a un quotient de deux puissances d'une même base, hein, c'est des puissances du nombre E. Et donc on va pouvoir appliquer les règles de calcul avec les puissances. On va avoir donc 7 divisé par 1. Ça fait 7, je le réécris comme ça. Et puis E puissance, E puissance. Alors... En fait, je vais soustraire les exposants. Donc, on va déjà avoir cet exposant-là, i fois 7pi sur 6, moins l'exposant du dessous, donc i, 7pi sur 4. Alors, évidemment, là, je peux mettre en facteur i. Hein. Je vais le faire. Ça me donne, je, maintenant j'arrête d'écrire les couleurs, 7 facteurs de e puissance i fois 7pi sur 6 moins 7pi sur 4. Et maintenant, bien sûr, il faudrait simplifier cette expression-là. Ça, c'est juste du calcul avec les fractions. Je vais le faire ici. 7pi sur 6 moins 7pi sur 4. Là, je vais trouver le dénominateur commun le plus simple, c'est 12. Donc, je vais multiplier ici par 2. Donc, ça va me donner 14pi sur 12. Moins, ici je vais multiplier par 3, donc moins 7 fois 3 ça fait 21pi sur 12. Et donc ça me donne 14 moins 21 ça fait moins 7pi sur 12. Voilà. Et donc finalement le résultat de notre division c'est 7 fois e puissance moins i 7pi sur 12. Voilà, ça c'est le résultat. Et donc on va placer le point d'affixe 7e puissance moins i 7pi sur 12. Donc il est sur le cercle qui est ici, hein, de rayon 7. Et son argument c'est moins 7pi sur 12. Alors partant d'ici, j'ai moins pi sur 12, moins 2pi sur 12, moins 3pi sur 12, moins 4pi sur 12, moins 5pi sur 12, moins 6pi sur 12, moins 7pi sur 12. C'est donc ce point-là.